Hey, salut à tous, c'est Angel038 et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Motorsport Manager et la suite de notre saison. On n'est même pas encore à la mi-saison, on a encore au moins deux Grands Prix à faire avant d'y être. Donc prochain Grand Prix Monaco, circuit urbain. On sait que c'est pas forcément un circuit où je le suis le plus à l'aise, mais on s'en fiche puisque là c'est Motorsport Manager. Donc pour la petite Renault, pour le coup, ça risque d'être intéressant. Alors voyons voir les messages que nous avons. Alors Hamilton remporte une lutte, machin, actualisation sur l'état de la voiture, très bien. On a un entretien avec NBC Sport. Acceptez l'interview. Ce week-end a été éprouvant pour Julian Palmer. Oui, bon, il va se reprendre, hein, voilà. Kevin Magnussen a eu des difficultés et a terminé 17ème. Merci de me remuer le couteau dans la plaie, connard. C'était pas une bonne course, mais je m'inquiète pas, c'est un bon pilote. Merci beaucoup, Angel. De rien, écoute, ça me fait plaisir. Allez, on continue, on avance un peu les voitures. Les pièces sont réparées. Donc maintenant, on va pouvoir aller voir où on en est. De toute façon, on peut pas faire de nouvelles pièces, hein, c'est quoi que... J'ai envie de dire pourquoi pas en même temps, trop pour où on en est, ça peut pas être pire. Donc là, faut qu'il bosse sur la fiabilité de ses freins, la fiabilité des moteurs. Qu'est-ce qu'on pourrait faire encore? Donc la transmission, c'est bueno. Il faut qu'on fasse des amortos. C'est pas forcément ce qui merde le plus, mais alors vitesse en virage plus 25 et fiabilité plus 15. Ah ouais, vitesse plus 40 pendant les qualifs. Ça me plaît ça. Allez, construis-moi cette pièce. Oui, je sais, de toute façon on a plus une thune, c'est pas grave, on s'en bat les couilles, on en est là, on en peut plus, de toute façon on a plus d'argent, c'est la faillite, on va fermer la boutique. Donc alors voilà, ça y va, avoir fini la conception de la suspension, n'est-ce pas? Merci, au revoir. Du coup, on va l'installer, cette nouvelle pièce, et puis on va faire bosser au niveau des fiabilités. Tac, on va la mettre à Julian Palmer. Allez, on va la mettre à Julian Palmer, comme ça il sera content. Très bien, améliorer les pièces. Tac, tac, tac. Ah mais casse-toi, 98% lui on se dégage et on va mettre les sous Pantheon à la place, voilà, très bon. Et c'est parti. De mes propres ailes, qu'est-ce que c'est? Ça fait longtemps que j'y pense et j'ai pris une décision, je vais commencer à prendre des leçons de pilotage. Et il est con lui. Si vous inquiétez pas, l'impact, mon instructeur m'assure qu'il n'y aura point commun entre le vol. Ah d'accord, il veut voler dans les airs. Eh ben quel crétin. Alors, votre politique, pneus Michelin. Mais faut les garder les pneus Michelin. Attends, c'est quoi la question? Parce que la dernière fois, c'est vrai que j'avais fait un vote, c'était pour la suppression du Grand Prix du Brésil, et j'avais pas compris, et du coup j'ai fait l'inverse. Et bon bref, heureusement pour moi. Enfin voilà quoi. Un nouveau vote aura lieu à la Fédération Nationale d'Automobile, cette fois en concerne les pneus Michelin. Alors voyons voir. Michelin produit des pneus pour performance, ce qui permet un peu plus de vitesse sur le circuit. Ces pneus ne sont pas aussi durables que les Pirelli. Alors cette règle sera... Je suis pour les pneus Michelin, parce que les Pirelli, c'est de la merde. Voilà. D'accord? Allez, on y va. Donc je vote pour. Pour les pneus Michelin. En plus, il y a Red Bull, ils ont fait x2. Voilà, tout le monde vote des Michelin. Ils en ont rien à carrer des pneus Pirelli dégueulasses. Ah si, il y a quand même un qui a dit non. Et j'ai pas vu qui c'était, merde. J'aurais dû regarder. Ah, Sauber qui dit non. Pff, oh, de tocard. Allez, Michelin l'emporte. Et bah heureusement, hein, parce que c'est un bon genre d'angoisse. Allez, on va direction Monaco et on va aller faire les essais libres. Comme d'habitude, j'ai envie de dire, on va se retrouver pour les qualifications. Allez, à tout de suite. Et voilà, on se retrouve pour les qualifications et donc on va aller tout de suite participer au qualif. Donc réglage qualif. On a eu de la pluie hein, pendant les essais libres, donc du coup ben, ça fait qu'on n'a pas forcément de réglage pour ni pour la course vraiment, ni pour les pneus secs.
donc on est un peu dans la merde. Et au niveau des réglages, on a trouvé un équilibre qui était plutôt pas mal. Ça avait l'air d'aller aux deux pilotes. Donc on va y aller, sélectionner les bonus, bah oui, mais j'ai déjà sélectionné tout ce que j'avais. Donc voilà. Ah, ils veulent absolument que je mette mes pneus intermédiaires, si ça te fait plaisir. Voilà. Alors. On va participer aux qualifications, on va lancer notre premier pilote, et on est parti de suite avec les ultra soft pour les qualifs, en espérant faire le meilleur tour possible de préparation, bien sûr. Alors, le circuit de Monaco, qui est en fait le circuit de Cape Town dans le jeu original. Alors on a des similitudes, hein. Regardez, on a le rond-point ici qui fait penser au virage de l'hôtel. Il y a pas mal de zones en fait où on a les voitures qui... ça c'est l'habitude. Hop là, on va envoyer Palmer aussi, n'est-ce pas? On a pas mal de zones, ouais, de zones pas très rapides avec beaucoup de virages en fait. Ce qui fait que... on se retrouve avec une configuration qui ressemble beaucoup à Monaco, effectivement. Mais bon. Voilà, ils ont voulu l'appeler Monaco parce que ça ressemblait. Pourquoi pas. Mais c'est vrai que... Bon. Alors, c'est un circuit où on a quand même la possibilité de potentiellement faire un résultat. Parce que c'est vrai que si on s'en fie à la réalité, normalement, c'est un circuit qui est fait pour les Renault. Hein, dans la mesure où voilà, c'est un circuit qui est pas très rapide, où on travaille beaucoup sur tout ce qui est freinage et aéro. Donc je sais pas, on va voir ce que vont donner les voitures. En tout cas Magnussen qui va finir son tour chrono, pendant que Palmer va pas tarder lui à passer à table. Voilà. Donc Magnussen nous signe le sixième temps, qui va très vraisemblablement dégringoler, puisque les voitures qui sont en piste vont forcément améliorer, et on est qu'au début de la séance hein, en même temps. On va passer un peu en accéléré. Voilà. Alors on est 8ème pour l'instant, on est un peu descendu, mais bon, derrière on a quand même des clients, on a des Verstappen qui sont pas mal, on a des Perez, des Button avec des voitures qui sont quand même costauds quoi. Donc Palmer qui signe le 14ème temps. Voilà, ça veut dire ce que ça veut dire. On va relancer, hein, deuxième couche de peinture bien sûr. Hop, on va remettre des pneus neufs et puis on y retourne à Magnus. Hein. Tu vas faire plaisir à tonton et puis tu vas y envoyer du pâté. Hein. Alors Magnussen qui sort des stands, qui fait son tour de mise en place, donc les freins sont rapidement mis en température, hein, donc c'est bien, impeccable. Faut juste faire attention parce qu'on va se retrouver avec des pneus qui... Enfin des freins qui vont être surchauffés. Alors vraiment pas évident d'arriver à faire un compromis entre les freins et les pneus. Ouais, voilà, on se retrouve toujours dans la même configuration, c'est-à-dire qu'on a les freins qui surchauffent. J'arrive jamais à trouver le bon compromis. C'est chier, quoi. Il y a peut-être une astuce, hein, mais je la connais pas. Enfin, pour l'instant, on fait une saison où les Renault sont à leur place. Hein. Non, il n'y a pas non plus de surprise. C'est pas... Voilà, on n'est pas dans l'inattendu, on n'est pas dans le spectaculaire. On sait que les Renault, c'est comme ça et... Et c'est pas autrement, donc... Je
je mettrais bien une dose de vitesse en plus pour voir, hein, juste pour voir, hein, si c'est vraiment la merde, on arrêtera les carnages. Mais juste pour voir. Alors j'aimais, c'est vrai que bon, c'est facile, hein, mais j'aimais mieux avec les GP2 et GP3. Non, même c'était GP3 seulement, hein, je crois que GP2, on passait déjà au tour de formation. Enfin, j'aimais bien le coup du je tourne et je fais directement à l'attaque à fond. C'est quand même pas mal ça. Bon, Magnussen il améliore pas, hein. Il a essayé. Il est pas arrivé. Ah, il a fait même pire que le premier tour. Oh, il y a tout qui chauffe là. Oula, oula, oula. On se calme, keep cool, garçon. Voilà, tu nous as bien fait chauffer tout le merdier là. Ah, attention les pneus. Ah, on était presque. Là, est-ce que les pneus sont parfaits et les freins, on était presque dans le vert. Bon, bah, vas-y, hein, pas mieux, hein. On compte sur toi. Hein. Améliore ton chrono, fais-nous quelque chose de bien, on sait pas. Fais-nous, je sais pas, va brûler un cierge. Oula, déjà premier secteur, il y a déjà une seconde, une de retard, et puis de toute façon il n'a pas amélioré sur son chrono, donc c'est déjà pas bon. Secondes, une de retard dans le deuxième secteur, ben là on est bien. Puis il améliore toujours pas d'ailleurs. Et puis maintenant le dernier secteur, coupage de la ligne de départ arrivé, et il nous fait une 19 400. Ah oui, il fait 3 dixièmes de moins bien que le premier tour, hein, la vache. Ouais, c'est pas bon du tout cette histoire. Bon, Magnus, est-ce que tu serais dans l'idée de vouloir essayer de nous faire quelque chose de bien, ou est-ce que c'est un peu trop te demander? Je sais pas, j'ai l'impression que c'est un peu compliqué, hein, au niveau du Magnussen, hein, quand même. Voilà, on est reparti, hein, en train de pneus ultra soft tout neuf. On va essayer de faire en sorte de bien préparer notre tour. Allez, les gars, on y croit, on y va. Allez, Magnussen, c'est parti, mon kiki. On va aller faire taper le chrono. Tac. C'est ces foutus pneus que j'arrive pas à tenir. Bon, écoutez, là on est bien. C'est. Je pouvais pas faire mieux. Là j'ai pas arrêté de faire des gauches-droites avec le merdier. Là. Putain, si j'arrive pas à faire un meilleur tour que mon meilleur tour. Tout simplement, là j'avoue que là je comprends pas. Je sais pas comment on fait. Je sais pas comment on fait les qualifs. Ah, premier secteur, on améliore. Déjà ça. Bon. Bonne chose. Allez, Magnussen, vas-y, tu peux le faire. On va arriver dans le deuxième secteur. Ça donne quoi le deuxième secteur? C'est en vert aussi. Il a bien amélioré. Allez. C'est bien, continue, allez, on bourre, direction ligne de départ arrivée, et ben, c'est toujours la 13ème place, putain, je suis vert, quoi, une 19-0-40, oh là là, quand tu vois que Kiat, il a fait une 18-852, je suis dégoûté, quoi. Je sais pas, franchement, j'en sais rien, mais ils sont sur une autre planète, les mecs. Bon, lui, au niveau des réglages de la voiture, bah, il est quota. Bon, bah allez. Hein. Enfin, avec des réglages qui sont plus proches de l'équilibre optimal, tu fais un meilleur, un moins bon temps. Je rêve. Bon, allez, pas le mur. Tu peux peut-être te rapprocher de Magnussen. Il a combien, Sainz? Il est... Il y est. Voilà, il y est.
tout simplement. Allez, on fait chauffer tout le merdier là. Alors l'épinou c'est bon. Hop là. On va faire froidir un peu. On garde les pneus. Hop là. On va faire froidir. Hop là. Oh putain. Allez mon coco. Eh ben c'est franchement la merde. Voilà. Sans déconner. Allez, c'est parti pour Palmer. On va se la faire en accéléré. De toute façon, là, ça va être fini. Alors, Palmer, premier secteur, c'est pas amélioré. Deuxième secteur, c'est pas amélioré. Ah ouais, donc l'autre devant, son meilleur tour, c'est 1947. Ouais, bon. Quelle tristesse. Ah, 50 millièmes. Je suis vert quand même. Bon, la séance est terminée. On va partir de la 13e et de la 15e place. On est devant les deux As, la McLaren de Button et les deux Sauber. J'ai envie de dire, comme d'hab, on est à notre place. Et Hamilton qui fait sa princesse et qui rentre tranquille. Allez gros, bouge tout. Donc voilà, hein, on est à 4 secondes 2 et 4 secondes 4 quasiment à la bourre sur le premier, sur le leader. Enfin c'est un truc de malade. Il y a un écart, mais laisse tomber quoi. Oh putain, la pluie. Ah bien vu les mecs. On a bien fait de travailler les réglages. Bon bah allez, impeccable. Et ben c'est très bien. Ça veut dire quoi au niveau de l'humidité? Ouais d'accord, on peut partir en pneus pluie hein, j'ai envie de dire, parce que là du coup en partant avec les pneus pluie les soutes vont s'arrêter dans ouais pas longtemps pour finalement chausser les pneus pluie, donc franchement choix d'épinou, hop là. Et les gars, vous y allez en mode on va se mettre en dépassement au départ, quoique juste élevé. Ouais, continue. Oh là là, t'affole pas garçon, on y va avec les pneus pluie, fais-moi confiance, ça va bien se passer. Bon, la grille de départ, on a Nico Rosberg, Hamilton, Ricciardo, Verstappen, Vettel, Raikkonen, donc on a que des paires hein, pour les trois premières lignes. Ensuite, on retrouve les deux Williams, un Bottas, Massa. Et on continue dans les paires hein, finalement. Et on continue encore, 9e et 10e, les deux Force India. 11e et 12e, alors c'est là que ça commence à se mélanger un petit peu. On a Alonso 11e et Kiat 12e. Après, on retrouve Magnussen, Sainz, puis mon autre Renault. Avec Esteban Gutiérrez à côté, derrière on a Grosjean, Button, et puis après on avait vu hein, les deux Sauber pour fermer la marche. Donc le départ va être donné et c'est parti. Voilà, ça y est, on est parti. Alors forcément les pilotes avec les pneus intermédiaires vont aller plus vite, n'est-ce pas? Ce n'est pas grave parce que de toute façon on va très rapidement avoir l'avantage puisque là c'est une pluie qui va tenir et qui va continuer, donc la piste va être de plus en plus humide. Vraisemblablement les pilotes de toute façon vont rentrer pour aller mettre des pneus pluie, donc en fait on va même se calmer. Ah, ils sont comment? Ah, ils sont carrément en full attaque. Ouais, ils se sont dit on va attaquer dès le départ, on s'en fout, on verra bien. Non mais les gars, on y va, nous on y va, c'est la force tranquille les mecs, la force tranquille. La piste va bientôt être de plus en plus humide, c'est pas grave, ne vous inquiétez pas. Ils vont s'arrêter de toute façon. Alors, on va passer bientôt en phase 2 au niveau de l'humidité de la piste. Alors, c'est sûr pour l'instant on galère avec les pneus wet. Hein. Mais moi je vis sur le long terme, voilà.
je fais sur du long terme, donc là, évidemment. Non, ta gueule, voilà, on est bien. D'accord, la météo donc il dit que d'un seul coup il pleut plus, la piste elle est sèche. Là par contre c'est moins bien là parce que là on est en train de prendre une cartouche là les mecs. Faudrait pas non plus déconner. N'est-ce pas? Elle est où la pluie? La pluie. Regarde la pluie, je vais faire une danse de la pluie. La pluie. Putain, ils me font flipper, c'est con. Attends, on va quand même pas se prendre un tour dès le troisième tour. Ah, voilà la pluie qui revient. Ouh, j'ai eu peur. J'ai eu très peur. Bon, alors, maintenant, va falloir y aller, les gars. Hein. Donc, on arrive sur la fenêtre où les pneus pluie vont être pluie, hein, donc pluie bien. Voilà, on y va. Voilà, allez, on rentre dans la bonne fenêtre. Allez, va te faire foutre, dépêche-toi. Putain de ta race. Merci. Oui, bon, on a perdu 3 tours. C'est pas non plus. Voilà, maintenant on va être bien. Maintenant on a des pneus pluie. Les autres ils vont commencer. Ah, ils sont loin. Ils sont loin. Je ne pourrais pas chauffer mes pneus suffisamment en conduisant comme ça, chef. Oui. Non, mais vas-y. Je t'en prie, fais donc. Agresse. Voilà, donc là maintenant il pleut même bien. Là on va avoir un petit voilà. Donc là maintenant il s'agirait d'attaquer, n'est-ce pas, hein, on attaque, on est en full attaque les gars. Ah oui, c'est carrément l'orage, hein. Il y a, ouais, c'est le déluge complet là. Ouais, mais, alors oulala, ouais, ça fait pas rigoler. Hein. Alors du coup par contre là ouais, on a fait de la merde, hein, n'est-ce pas, parce que là du coup tous les pilotes qui étaient rentrés qui étaient restés en piste et qui étaient partis avec les inters, et ben eux ils sont mieux parce que ah là là, c'est rageant en fait. Ça m'aurait fait chier de passer les inters en fait. Je suis pas sûr que l'issue elle aurait été meilleure finalement si on y regarde. Pour la Magnussen, il s'agirait d'aller doubler le pilote Sauber, s'il te plaît. Là, on est vraiment dans la grosse pluie, hein. Donc, il n'y a personne qui en derrière, donc bonne chose. Allez, tu peux le doubler. T'as les nouvelles pièces sur la voiture, hein, qui peuvent te permettre de faire des choses, Magnussen, s'il te plaît. En plus là c'est une Sauber quoi, je veux dire c'est pas non plus allez dépasse, mais tu vas dépasser bon sang. Ouais, Magnussen essaie de dépasser Marcus Ericsson. Ouais, bah ouais, on aimerait bien dépasser Marcus Ericsson. Mais pour l'instant. Allez, allume tes pneus, t'as raison. Ça dit quoi au niveau de l'humidité? Ouais, faut pas tenir encore un petit peu. Messieurs, avec vos pneus. On va se mettre en agressif, mais voilà. En plus, on a gros Jean qui est en train de bouchonner devant là. Le petit salopard. Oui, vas-y, pose. Non, merde. Putain, il aimerait bien passer, hein, avec sa Renault. Là. Hein, t'aimerais bien passer. Mais il y va pas. Ah ouais, tes pneus commencent à être usés, effectivement. On le sait. Faut attendre encore un tout petit peu, les mecs.
Magnus, à nos stands, mets des intermédiaires, s'il te plaît, et puis on y va, là. On va se focaliser sur Palmer, qui est tranquillement en train de revenir sur son coéquipier, mais ça c'est normal, c'est l'usure des pneus qui vaut ça. Voilà, donc Magnussen qui va rentrer au stand, qui est fait pour le pilote Renault, qui va se retrouver dernier du coup, mais ça bon, c'était joué. Et donc toi tu vas me faire la même, tu vas rentrer au stand, mettre des pneus intermédiaires, pareil. Et puis voilà. Donc voilà la piste qui va aller en s'asséchant, donc faut pas perdre le rythme hein, Magnussen. Faut rester bien derrière les pilotes qui sont devant toi. Parce que là mon gars, tu vas avoir une fenêtre de... Non mais il va vraiment vite s'assécher la piste. Hein. Attends, pas, elle me revient. Stand, tu vas mettre des softs. Ouais, on fera 12 arrêts. Des softs. Magnussen qui va prendre un tour... par ses poursuivants, donc c'est très bien. Bon, tant pis, on va faire entrer, on va lui mettre on va faire comme son coéquipier des super softs aussi. Allez, parce que là, ils font quoi les autres? Il y a donc Magnussen, c'est le seul avec les inter. Palmer qui a chaussé les super softs, hein, et ça continue en piste avec les wet. Oh, c'est original. Donc, on a les deux premiers qui nous ont pris un tour déjà. Donc ça va, Palmer, lui, il est ressorti. Et du coup, il va pouvoir... Donc on va pouvoir calmer le jeu, mais on va rester. Je comprends pas, là, l'histoire de la piste. Là. Qu'est-ce qui se passe? Donc là, il nous fait son drapeau bleu, bien. Et pourquoi il veut mettre des pneus pluie? Non, mais c'est complètement brûlé, cette histoire. Donc là, ça va rentrer en... au stand, mais il fait du surplace le mec, il faut arrêter les conneries là. Non mais là il y a un bug là, sans déconner, on dirait que la voiture elle est complètement à l'arrêt. Là. Donc tout le monde rentre pour mettre des intermédiaires, très bien, admettons. Cette putain de piste elle s'assèche pas, il y a un truc que je piche pas. Donc les 10 premiers nous ont fait un tour. Mais c'est un truc de malade hein, parce que la bagnole du coup le mec il fait du surplace quoi, il est là, il est bon, bah ouais, normal, tout ça. Mais t'essayes d'anticiper les trucs mais on dirait que c'est... Ah, c'est juste ouf quoi. Allez, tu vas consommer un peu d'essence. Attends, on va faire pareil. Vous allez attaquer les deux. Parce que là, là il y a encore un drapeau bleu. Il y a une 9e qui vient de passer. Très bien. Honnêtement là, pas la stratégie, pas bon du tout. Hein. Ça c'est la cata. Hein. C'est la cata. Mais elle va s'assécher cette conne de piste, toi.
Alors là, on a l'11e et le 12e qui est en train de prendre un tour. Ah, mais c'est juste incroyable. Je m'étais dit, en décalant un petit peu, ça va bien le faire. En fait, c'est de la merde. Non, mais là, franchement, c'est la cata. Bon, au niveau de l'essence, au niveau des pneus, ça gère. Ah bah là, ça continue, tout le monde va nous prendre un tour. Non mais sans déconner, on va arrêter. Donc ça y est, c'est en train de chausser des pneus soft. Pour aller jusqu'au bout en tout cas. Mais nous on a des pneus qui sont noirs donc voilà, on est bien. Bon les gars, je suis désolé mais on a fait de la merde au niveau de la strat. Donc voilà, on va leur faire mettre des pneus soft et puis on va finir la course comme ça. Et puis voilà, j'ai chié dans la colle au niveau de la stratégie. Il y avait un coup à faire avec la météo et puis finalement on a fait de la merde. Voilà. Je suis dégoûté, donc là franchement, épisode à oublier les mecs, si vous voulez arrêter de regarder la vidéo, vous pouvez y arrêter tout de suite ou aller directement à la fin pour aller voir ce qui va se passer à l'issue de la course. Donc là les deux pilotes qui rentrent en même temps au stand, c'est juste magnifique. Voilà. Allez, de toute façon, foutu pour foutu, on y va. Et puis on va y aller en mode ultra attaque, hein. De toute façon, tout le monde nous a pris un tour maintenant, donc... ça peut pas être pire. Je crois que tout le monde nous a pris un tour en tout cas. Voilà, donc nous on ressort des stands aux deux dernières places, hein. On fait voiture balai. Enfin, c'est pas comme ça qu'on va renflouer les caisses, hein. Là franchement. Là on les aura bien mis dedans là, chez Renault. Mais alors bien propre. Les objectifs de l'écurie sont loin. Bon, alors, on est où? Reste 8 tours de course. On va faire passer en accéléré un petit peu. Hein. Voilà, on est en train de revenir sur la Sauber. Hein, de toute façon, voilà, on en est là. Hein, on avait la possibilité de revenir sur ces voitures-là. Voilà, on se prend un tour par le 5e encore. Hein, ça fait que 2 tours de retard. Parfait. Alors, pour l'instant, on est toujours aux deux dernières places. On a un petit groupe là avec la Sauber de Ericsson qui est une première d'ailleurs. Voilà, donc ça se bataille tranquillement. Moi, je suis un peu blasé, j'avoue, hein, d'avoir à ce point-là foiré la stratégie. Alors là, ça y est, on y va à trois de front, c'est la fête. Il y a des drapeaux bleus dans tous les sens, on sait plus où on en est. Là, j'avais dans l'espoir de pas finir dernier, mais... Quoi qu'il y ait encore Grosjean, hein, qui peut s'arrêter. Grosjean, il est où sur la minimap? 14e, il est... Et... Il est... Ouais, là, il est un demi
10 circuits d'avance. Il reste 4 tours d'ici la fin de la course. Une voiture dans les stands. Grosjean qui s'immobilise. Ouais, ça me paraît compliqué hein, pour aller chercher le pilote français. Hein. Tac. Ouais, même avec la meilleure volonté du monde, c'est pas possible. Sachant qu'on prend encore des drapés bleus. Ouais, ouais, les pneus sont usés. On sait. Mais c'est pas grave. Alors au moins ce qui est marrant c'est qu'au moins on aura nos deux pilotes, ils se seront fait une course dans la course, hein, ça les aura occupés, à se tirer un peu la bourre. Un coup tourne, un coup moi. Palmer qui prend l'avantage sur Magnussen. Putain, j'ai bizarre la stratégie de Grosjean de ne pas avoir fini la course en ultra soft avec le nombre de tours qui restait. Être intéressant. Allez hop, Palmer qui vient shipper la place. Voilà, c'est le dernier tour. Ouais, il est temps d'en terminer avec cette course hein, de merde. Parce que là, on a vraiment fait de la merde, ça c'est sûr. J'avoue que là, je suis désolé du piètre spectacle que je vous ai fourni sur cette course là, les amis. Voilà, de toute façon, en plus, je sens qu'on va finir. En poussant la voiture, donc ça sera très bien comme ça. Ah, le premier qui va s'arrêter au stand à la fin du tour, très bien. Donc là ça se termine, hein, la course se termine tranquillement. On arrive dans les derniers virages. Et on va vraiment être. Voilà, on n'a plus de pneus non plus, hein, on est sur les jantes, littéralement. Voilà, on finit la course, c'était de la merde. Cette course était un vrai désastre, ouais, complètement. J'ai fait une stratégie complètement foirée, je suis vraiment dégoûté. Parce que du coup, l'histoire de la pluie, ça aurait pu nous aider, mais là, mais alors, pas du tout. Ouais, pour inspecter la voiture, à part qu'elle est nulle, et que le coach, il a pas aidé. Donc pour l'instant 9ème, alors là j'aime autant dire qu'on va en prendre plein la gueule. Là le patron il va dire bon t'es gentil mais change de métier. Ça vaut mieux pour tout le monde. Donc là ouais bah forcément ils ont pris un coup au moral les pauvres. Hein. Ouais c'est sûr. Bon, et ben voilà, hein, à l'issue de cette course, on est donc 16e et 18e au classement général. Il suffirait de marquer quelques points pour remonter, hein, tout simplement. Mais pour l'instant, ça va être compliqué. Ben j'espère quand même que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt pour la prochaine course qui aura lieu. On va regarder ça tout de suite. Hop! À Silverstone, et on sera donc à l'issue de cette course à la mi-saison. J'espère que ça vous aura plu quand même. Je vous dis à très bientôt pour la suite de nos aventures sur Motorsport Manager. En attendant, portez-vous bien. Salut à tous.